Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 69200. En espérant que tout le monde va bien, que les choses se passent. Bon, je vais être rapide, bref, clair et net. Je reviens sur la polémique qu'il y a entre moi, les Congolais, les Angolais. Certes, il y a une vidéo qu'on voit sur moi où j'ai dérapé vis-à-vis d'eux, parce que c'était dans un contexte, les phrases sont sorties d'un contexte, les gens me connaissent, je suis pas raciste. Pour ceux qui me connaissent pas, je comprends pourquoi ils pensent que je suis raciste et je dérape et je dis n'importe quoi des fois. Bref, il n'y a pas de souci. J'ai fait une vidéo pour m'excuser, j'ai fait une vidéo à la bien. Mais tout le monde s'est enflammé. Et moi, j'aimerais revenir dessus. Je parle par rapport au mec Baki RS. Il est là, il fait tourner une vidéo d'enregistrement. D'accord, il s'est passé quoi? Il s'est passé que moi, lui, je le connais. Je le connais de vue. J'ai déjà eu affaire à lui une fois ou deux fois. C'est quelqu'un que j'aime pas, mais j'ai eu affaire à lui. Selem, selem, bien, bien. Ok, très bien. Il est là, on me dit, bah, il y a Baki, il te cherche, il n'a pas ton numéro. D'accord, tiens, hop, passe-moi son numéro. Je l'ai appelé, direct, on a parlé. Il me dit, attends, je te rappelle dans 2 minutes, j'ai pas de batterie et toi, là, bien. D'accord, très bien, il me rappelle dans 1 demi-heure. Et là, quand je parle avec lui, quand je dis, je suis désolé de ce que je dis, en aucun cas, je parle pour toi, Baki RS. Toi, je te connais parce que t'es là, tu parles pour les autres, c'est normal, les gens, ils viennent te voir. Mais je parlais au nom de ta communauté. Surtout pas vis-à-vis de toi, qu'on soit bien d'accord. Quand je dis j'arrête Perry sur ces conneries-là. J'arrête pas Perry parce que toi, tu me dis bah, arrêtez Perry. Ça n'existe pas, ça. Qu'on soit bien clair entre nous. En plus, t'es là, tu fais une vidéo en disant ouais, Cheyé, ne calcule pas. Moi, je suis grand, lui, il est petit. C'est toi qui es petit. C'est toi qui es petit en enregistrant des conversations et en les distribuant aux gens. Moi, quand je me suis excusé envers la communauté angolaise et congolaise au téléphone avec toi vis-à-vis d'eux, surtout pas vis-à-vis de toi. Je suis parti en couille, j'assume, il n'y a aucun souci. De là à me faire passer pour un raciste, il n'y a aucun souci. De là à me faire passer pour une salope, ça va pas la tête ou quoi? Les gens ils disent Baki ici, Baki, Baki il a mis à la main de personne, surtout moi. Maintenant moi je suis dans mes torts, c'est pour ça que je me suis tué, j'ai rien dit. Encore une autre fois, je m'adresse toutes mes excuses à la communauté congolaise et angolaise, même s'il y en a des gens très bien, même s'il y en a des gens, ils ont rien à voir avec ça. Ce que je veux dire, c'est que mes excuses étaient très sincères. Mais vous, vous êtes là pour du buzz, que ça soit toi ou le clochard de Grady, c'est exactement pareil. J'habite à 10 minutes de chez toi. Tu viens me voir, si t'as envie de faire du buzz, tu fais une vidéo devant tous tes frères et tes sœurs et on sera ensemble. C'est clair, l'été précis. Mais moi, hier, j'ai parlé comme un frère à qui j'ai blessé un frère, même si je t'aime pas. Comme un frère à qui j'ai blessé à tous les Congolais et Angolais que je connais. Rien à voir avec la peur, surtout avec moi, qu'on soit bien clair. Et en plus, t'es là, après tu fais le rassembleur. Oui, nous, on va pas perdre son temps avec lui, on pense aux élections. Certes, ça c'est ton souci, il y a aucun souci. Mais t'es tout le temps là, que ça soit toi ou l'autre, vous surfez sur la vague. Parce que dans ces embrouilles-là, vous glissez tout le temps, nouvel album, nouveau CD, c'est exactement ce que Grady, il a fait quand je suis venu. La vérité, moi je la connais. On est bien d'accord. Bref, je vais pas m'éterniser dessus. Ça sert strictement à rien. Salam alaikum les gens. Prenez soin de vous et de vos...